Voilà. Alors. Je dois aller où? Bah, j'imagine que je dois aller là. Ok, c'est Oh putain. maintenant le moment qu'on attendait tous les deux. L'épouvantail est en bas. Veux-tu l'arrêter et sauver Oracle? Ou vais-je encore profiter de ce gaz délicieux pendant qu'elle meurt sous tes yeux impuissants? Comment on décide? Approchez, approchez! Venez jouer à trouver le véritable épouvantail. Alors, où est notre premier candidat? Là, l'homme avec les oreilles pointues. Venez tenter votre chance. Quel est votre nom, monsieur? Bruce? Alors, lequel choisissez-vous, Bruce? Je suis droite. C'est difficile. Dommage, bateau. Bon, je suppose que ce que tu choisis, ça ne fonctionne pas. Je pense qu'il n'y a pas de bon choix. Tu n'es pas en train de mourir, c'est juste une impression. Ma toxine remplit tes poumons, elle te noie dans tes plus grandes peurs. Qu'est-ce que tu vois? Une ville qui a sombré dans la terreur? La trahison de ceux en qui tu as le plus confiance? Tes secrets les plus sombres révélés? Gotham regardera pendant que je mettrai en pièces ton esprit. J'arracherai ce masque de ton visage et le monde entier verra la peur dans tes yeux. Alors, ils comprendront, eux aussi. Non, il n'y a pas de sauveur. Plus d'espoir. Plus de Batman. C'est peut-être déjà le cas. Regardez-moi. Je déchire grave. Et ce corps, il est balèze, c'est incroyable. Ce n'est plus pareil. Tu es spécial. À ce stade, je dirais qu'il est encore en chantier. Mais c'est vrai qu'il y a du potentiel. C'est fini. Inutile de courir. Je n'ai jamais dit que j'allais courir.
Monsieur, l'épouvantail diffuse un message dans toute la ville. Il faut que vous voyez ça. Qu'est-ce que ça fait de voir ta ville sur le point de sombrer et tes amis sur le point de mourir? Cette fois, tu as atteint tes propres limites, Batman, et ton échec sera bientôt incontestable. Quand la dernière étincelle de vie quittera son corps inerte, elle saura que c'est toi le seul responsable de son malheur. Alfred, il a emmené Oracle dans son repère, à Chinatown. Je suis en route. Faites vite, monsieur, je vous en prie. Qui sait ce qu'il va lui faire? Alors... Hop. Il m'a dit que c'est une sorte de pâte à pizza courbée avec de la viande, fromage, etc. Je pense que je vais... C'est ça pour changer. Ok, bah dis-moi ce que ça donne du coup, mon petit turpie. Moi je pense que ce soir ce sera pizza, je pense. J'ai envie. Possible et Crane l'a déjà tué. Oh, il a pas le sens du spectacle. L'horreur est une affaire de mise en scène, Batman. Nous le savons, et c'est pourquoi j'ai mis au point ce petit spectacle. Oh, un point pour tronche de sac. Oh, voilà la toxine. Je peux presque la sentir. Qu'est-ce qui se passe, Barbara? Tu la vois maintenant, l'horreur derrière la glace, le monstre qui causera ta perte, à moins que tu prennes cette arme et que tu l'arrêtes. N'écoutez pas! Pitié! Pitié, non! Barbara, c'est moi! Votre ami! Tu ne mourras pas! Je ne te laisserai pas faire! Tu apporteras la mort à tous ceux qui te soutiennent. Monsieur, qu'y a-t-il? C'est fini, Alfred. Comment ça? Barbara. L'épouvantail voulait me punir. Il l'a tué. Non, Seigneur. Monsieur, restons concentrés. Pour les habitants de Gotham. J'aurais dû la protéger, Alfred. Elle est morte à cause de moi. Monsieur, écoutez-moi. Les fichiers de Stagg ont révélé le rôle du fameux déluge. C'est un engin de dispersion. Vous ne voyez donc pas? L'épouvantail a les moyens de répandre sa toxine de peur sur la ville entière. Vous l'avez empêché de la rendre opérationnelle, mais ce n'est qu'une question de temps. Monsieur, m'entendez-vous? Il a entendu. Il se demande comment il peut encore se supporter. Maître Bruce, la mort de Mademoiselle Gordon... Oh, il ne faut pas que ce soit en vain. Tu ne peux pas la ramener. Laisse ton Tangi prendre le relais. Plus de mauvais souvenirs, plus de chagrin, plus de peur. Parole de scout. Ivy... Oh non. Monsieur, Alfred, faites une analyse satellite de la ville. Tenez-moi au courant dès que vous aurez repéré le déluge. Bien sûr, monsieur. Où comptez-vous aller? Au GCPD. Ivy était immunisée contre les effets de la toxine. Vous pensez qu'elle vous aidera? Disons qu'elle n'a pas le choix. Eh ben, la pauvre Batgirl est morte. Oracle est morte. Oh! Eh ben... Ouais,
En fait, c'est quand ça a crashé, ça a désactivé tous les trucs sonores et toutes les alertes. Faut que je les remette. Ah, c'est mon meilleur pote qui est pas loin. Il est où? Il est où? Mon émeute préférée, je crois que c'était Blackgate. Mais celle-là, elle arrive dans le top. Ok. Alors quoi? On écoute l'épouvantail nous bassiner toute la nuit? Par quoi, à ton avis? Faut que je les batte. C'est tout. Ok. Ouais, du coup ça a tous été désactivé, faut que je les réactive, mais... Ah, t'y a juste... C'est où que je dois aller? Attends. Ok. Je dois tous les réactiver. Ah non, je fais pas que l'histoire principale. Hein. Je fais toutes les missions du jeu. Dès qu'une mission est disponible, je la fais en gros. Là, je peux pas faire le Catwoman par exemple parce que la route est pas dégagée. Donc il faut que je fasse les missions principales pour ça. Est-ce que le commissaire Gordon va me taper, vous pensez? Là, je vais lui annoncer la mort de sa fille. Hein. Pas des shots, ça? C'est dommage que je sois là. Quand le déluge se mettra en branle, j'aurais été aux premières loges. Ah non, pas du tout. Hey. Pourquoi il est vert, lui? Hé, hey, Batman, comment ça va? Faites-moi signe en cas de besoin. Normalement, ceux qui sont verts, c'est qu'on a des informations sur les emplacements des... Sérieusement, des mecs. Si vous avez quelque chose d'urgent, d'important ou de confidentiel, venez me voir. Je m'en occuperai. Il y a du monde, dis donc.
dois être le plus fort, hein? Alors viens par ici nous montrer de quoi t'es capable, si tu l'oses. J'aime pas ça. Tais-toi. S'il s'approche de moi, je lui en colle une dans la jambe. Tu vas tirer sur personne. Owens nous connaît bien. Hein, mon vieux? Il a même pas l'air de savoir. Qu'est-ce qui s'est passé sur ce dirigeable? L'épouvantail a pris le déluge. C'est pas bon, j'imagine. Où est Gordon? Toujours à la recherche de Barbara. Il est injoignable. Dites-moi que vous l'avez retrouvé, Batman. Cash. Je suis désolé. Non. Ne dites pas ça. Pas elle. Si Gordon revient ici, enfermez-le. Ça ne peut que mal finir s'il s'attaque à l'épouvantail. Alors, tu m'as dit, il n'est pas black, ça peut pas être Deadshot. Mais Deadshot est blanc. C'est que tu trolles, mais... Voilà. Qu'est-ce qu'il fait, lui, là? Je sais que je suis freak et qu'elle est... Enfin bref, mais c'est pas ça qui va nous arrêter. C'est la voix du mec à Lana. Ivy se préoccupe de l'environnement, Batman. Faut avouer que c'est courageux. Whitney. Cette position est pas très populaire en ce moment. Je sais que je suis freak et qu'elle est... Enfin bref, mais c'est pas ça qui va nous arrêter. Ah, Whitney, fais pas le beau avec moi. Pourquoi il y a deux points? Il y a un truc à 48. Bon, 48, ça va être Commissaire Gordon, je pense. J'ai besoin de ton aide. D'après ce que je vois, tu as plutôt besoin d'un miracle. Pourquoi le gaz n'a pas d'effet sur toi? Tu aurais peur aussi si tu voyais ce que l'épouvantail a fait à tes plantes. Et pourquoi moi? Je te ferais confiance. Parce que sans ton aide, toutes les plantes de cette ville vont mourir. Parlons un peu de ce miracle. J'ai créé une spore pour combattre la toxine de Crane. Facile quand on s'y connaît. Et quand on sait remodeler les molécules des plantes. Ça peut protéger la ville entière? En théorie, oui. Mais je ne réussirai jamais à en produire assez toute seule. Alors il va te falloir du renfort. Où est-ce qu'on va? Au jardin botanique. On y trouve les plus vieilles plantes de Gotham. Elles me diront ce qu'il faut faire. Je voulais parler à Gordon, moi. Désolé, mais attendez. Je vous annonce le décès de sa fille, quand même. C'est important. Je pense qu'il va me taper ou pas? Qu'est-ce que vous pensez qu'il va me taper? Il y a une grosse droite dans la gueule. Dans la gueule. Content de vous voir, Batman. Cash est à deux doigts de lui faire bouffer son chapeau. Ah, le chapeau est fou. Oh, jour frabegé, calot, calais. Batman est là. C'est l'heure de jouer. Je ne jouerai pas à tes petits jeux tordus, Jarvis. Les otages, où sont-ils? Alors, voyons voir. Oh, 1, 2, 3. Un triplé de petits poulets. Vont-ils vivre ou mourir? C'est à toi d'en décider. Dis-moi ce que tu leur as fait. Oh, toute cette violence. Mais cela est vain. J'ai entraîné mon esprit et je ne ressens plus rien. Je trouverai bien ton seuil de tolérance. Oh, Batman, tends l'oreille, n'aie pas peur. Tu entendras bientôt leurs pleurs. Écoute donc les sirènes et leurs chants. Et tu trouveras ton Alice avant longtemps. Quel poète. On bute, Batman? Besoin d'un repère? Loin du rivage, une tour de lumière. Oui, bon, j'ai besoin d'indice, mais du coup, c'est un phare. Je suis pas con. Mais du coup, je voulais annoncer au commissaire Gordon. Bah, il est pas là. Oh, bah, Lucky, hein. Y a quoi, là? Pourquoi tenir à une main? Pourquoi tenir à une main ce souvenir du passé alors qu'un crochet serait... Ouais, donc, pas un crochet, mais... Donc là, y a potentiellement un truc qui fait du...
Bonjour. Au revoir. Toujours à la recherche de nom à souiller, ou donc le journaliste peut-il bien enquêter ? Pas ce qu'il raconte. À lui là ? J'explorais les archives et j'ai trouvé ce petit joyau. La police a arrêté un clochard qui s'est disputé avec Blackfire. Je crois qu'on commence à comprendre quels sont les plans de ce barjo. Comment ça me plaire de devoir revenir dans les parages, l'air de plus en plus abattu à chaque fois. Lui il est vert, il est bizarre lui. Bon bref, allez on se casse. Cash, le rideau métallique ne s'ouvre pas. Qu'est-ce qui se passe ? Il y a un tank drôlement balèze qui circule dans le coin. Il n'a pas l'air amical. Je ne le suis pas non plus. Ouvrez le rideau et je l'analyserai depuis les toits. J'essaierai de trouver un point faible. Ok, j'ouvre. Évitez de vous faire tuer. D'accord. Voilà le tank. Je dois analyser sa structure pour trouver une faiblesse exploitable. Je dois zoomer et viser la cible pour l'analyser à cette distance. C'est bon pour l'arrière. Maintenant, je dois scanner les côtés. Côté droit analysé. Je n'ai plus qu'à scanner le côté gauche. Mais pourquoi il va aussi loin ? Je vais aller sur le truc. Je suis trop éloigné pour une analyse exploitable. Pas très intelligent ce Batman, hein ? J'ai déjà analysé cette section. Mais... Le canon du drone Cobra est assez puissant pour réduire la Batmobile en pièces en quelques salves. Et son blindage est trop épais pour une attaque frontale avec mes armes. Cependant, il a un point faible. Le pot d'échappement à l'arrière du drone mène droit à son noyau d'énergie. Un tir bien placé avec le canon de 60 mm de la Batmobile devrait le neutraliser. Je ne peux pas appeler la Batmobile tant que je suis à portée du tank. Je ne peux pas appeler la Batmobile tant que je suis à portée du tank. Ah, tu me casses les couilles, hein. Je ne peux pas appeler la Batmobile tant que je suis à portée du tank. Ok. On va voir là, c'était à portée du tank maintenant. Alors, je peux suivre les déplacements du drone sur le radar et le prendre à revers pour atteindre son pot d'échappement. Voilà. Le calibre de ces balles, elles n'ont pas pu trouver le blindage. Vous ne pouvez pas débrouiller sur le terrain avec un véhicule blindé et espérer l'écraser. Il est plus malin que ça. Lancez les protocoles d'attaque de niveau 2. Toutes les unités de Cobra en formation serrée. Monsieur Wayne, ce tank ne vous a pas causé trop d'ennuis, j'espère. J'ai le plaisir de vous informer que l'amélioration que vous avez demandée pour la Batmobile vous attend dans le bâtiment de la tour de l'horloge. En supposant nice. Que la Batmobile soit encore en un seul morceau. Merci, Lucius. Alors,
Ah, c'est en bas. Je charge les armes et acte 3, parce que penser des trucs assez proches. D'accord. Donc là je crois que j'ai 3 barres maintenant, c'est ça? Il faut que j'emmène Ivy au jardin botanique. Ouais, c'est ça. Ok. Tu sais comment amener Ivy? Ah, il y a un truc là. J'ai pas vu qu'il y avait un truc là. Il a fait un fly encore. Est-ce qu'on va crash? On a failli. On va crash en fait, hein. Attendez. Faire start, tranquille, voilà. On va attendre un peu. C'est bon le jeu, t'inquiète pas. Ça va, c'est juste Batman Arkham Knight, c'est pas un jeu qui est censé bouffer l'ordi en fait. Désolé hein, pour le jeu qui rame, mais c'est le jeu, hein. C'est bien du jeu, t'as beau avoir le meilleur PC du monde, le jeu est très mal optimisé, et du coup ça fait ça. J'arrive à suivre, mais comme ça rame, c'est un peu compliqué, tu vois. Tiens, tu fais ramer le jeu! Surveillez les autres casernes, Alfred. Faites-moi signe dès qu'il attaque. Trop chiant, hein, que ça bug comme ça, ce jeu-là. Alors, passager Poison Ivy.
contrairement à Batman. Voilà. Je vole. On peut faire, c'est que là, il met 30 minutes. Monsieur, je crains que 3 tanks Cobra supplémentaires n'aient été déployés. Ah. Merci, Alfred. Je vais devoir les détruire avant de déposer Ivy. Ah. Bon. Ça rame de fou, hein. Allez, j'ai détruit les 3 tanks. Et après, je coupe le rec et je redémarre le jeu. Comme ça, peut-être ça peut corriger les problèmes. Arrête de bugger le jeu! Putain, t'es un jeu de 2003 là, je sais pas quoi. C'est couille! On fout! J'en peux plus. J'en peux plus, les gars. J'en peux plus de ces crashs, ces freezes. C'est grave quand même, ils ont toujours pas corrigé ce problème, quoi. Ok, bonne app, Turpi, à toutes. Ensuite ? Regarde-la. Elle était là avant même que l'homme fasse ses premiers pas. Son pouvoir est encore grand. Mais elle est faible, contaminée par des années de pollution. Elle ne peut pas combattre la toxine de l'épouvantail en l'état. Il nous en faut une autre. Il n'en existe pas d'autre. C'est la dernière. Pourquoi ça ? À ton avis, l'homme... Il les a coupées, recouvertes, privées de la lumière du jour. Si je localise les racines, tu les feras pousser ? Elles sont perdues, enfouies sous cette monstruosité de béton. Comment veux-tu ? Qui dit grande plante, dit grande racine. Attends ici, je vais trouver un moyen de les libérer. Lucius, j'ai besoin de détecter un réseau de racines antiques, loin sous la surface. Je suis sûr de pouvoir bricoler quelque chose, mais je vais avoir besoin d'un peu de temps. Venez à la tour Wayne quand vous serez prêt. Merci, Lucius. Alfred, du nouveau sur les criminels de Gotham ? Voyons. Nightwing a à nouveau suivi l'un des camions du Pingouin. Il le mènera sans doute à une autre cachette, nous donnant ainsi une chance d'enrayer le trafic d'armes de Cobblepot à Gotham. Nous avons aussi un cambriolage en cours à la banque de Gotham de Chinatown. Les images de vidéosurveillance indiquent que les braqueurs sont affiliés à Double Face. Monsieur Dent a peut-être égaré sa pièce. Quoi qu'il en soit, il vaut mieux l'arrêter. Merci, Alfred. Ok. Ah. Double Face et le Pingouin en vadrouille dans notre ville. Faut leur montrer qui commande. Alors, qui on égorge en premier ? Alors, je vais juste sélectionner la mission.
quoi ça? Je le fasse? Les hommes de double face cambriolent la banque de Gotham à Chinatown. Il est hors de question qu'ils partent avec la moindre petite pièce. Je sauvegarder ou pas? Je sauvegarder. Bref. Je vais le règle vite fait. Merci Fu pour tes 5 bits.